La thématique centrale de ce livre, c'est la perte de l'innocence. Pour moi, c'est vraiment c'est ça qui marque toutes les histoires. Et je pense que la perte de l'innocence, c'est une étape de vie que chaque personne traverse à des moments différents, souvent à des moments qui n'étaient pas prévus. Et puis, naturellement, la perte de l'innocence est une tragédie en soi, parce qu'on aimerait rester toujours dans cet état-là. Et de partir sur un personnage d'adolescente, c'est sûr qu'on est un peu dans l'archétype de la perte de l'innocence. C'est la fin de l'enfance, c'est la découverte de l'amour, c'est cette espèce de bonheur amoureux, la jeune fille plane, et le choc de la voiture. C'est une métaphore pour moi du choc de la vie, que la vie nous impose quelque chose qui nous entrave et nous marque et nous blesse. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Les autres histoires, on peut plus explorer qu'est-ce qu'on fait une fois que la tragédie a frappé. Ici, on est uniquement dans ce moment clé qui prise. Le réel, c'est Jacques Lacan qui dit le réel, c'est quand ça cogne.